bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai pas mal mal à la gorge aujourd'hui. Je m'en excuse à l'avance. pardon. Nous sommes lundi. Il semble faire moche. Le ciel est très couvert. En fait, là, on a un beau rayon de soleil, mais le ciel est très couvert. Donc, je pense que ça ne va pas rester. Aujourd'hui, je suis sans mes parents. Par contre, je garde ce chien qui ronfle. Elle est trop mignonne. Voilà, vous avez entendu le ronflement, j'imagine. Elle est sage comme une image. On a l'impression qu'elle est là. Elle est posée, mais on la voit pas. Voilà. Donc là, je viens de terminer mon petit déjeuner. Alors, il n'est pas forcément tôt. Hein. Il est 10h20. On s'est mis au petit déj à, je dirais, 10h moins le quart. Mais moi, j'avais... J'ai pris un déca et en fait, il était très très chaud. Donc, j'ai dû attendre pour le boire. Et du coup, les enfants se sont fait la malle, hein, clairement. Et moi, je me retrouve toute seule au petit-déj. Donc là, je vais monter les rejoindre parce que il faut absolument aujourd'hui que j'aille au supermarché. Alors, techniquement, il aurait fallu que j'aille dans un magasin de bricolage, mais je n'ai pas du tout envie de faire les magasins de bricolage avec les quatre enfants. Donc, je vais me contenter d'aller au supermarché. Je vais voir ce que je vais trouver. J'ai besoin de scotch pour protéger les murs quand on fait de la peinture, enfin les murs et les plafonds. Et du coup, la mission d'aujourd'hui, ça va être d'aller dans la nouvelle maison en espérant, je dis bien en espérant, que l'électricité est effectivement branchée pour que je puisse aspirer toutes les araignées qui sont notamment sur les murs qu'on doit peindre. Et puis installer les bâches sur le sol dans la cuisine et dans le salon pour qu'on puisse faire la peinture qu'il y a à faire. Voilà. Donc je ne sais pas si on va attaquer deux pièces, si on va tous se mettre sur la même. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer demain. Moi, je vais laisser les gens qui s'y connaissent organiser le truc parce que moi, la peinture, j'en ai jamais fait. Donc je ne sais absolument pas comment on doit s'y prendre. Est-ce qu'on peut se mettre tous dans la même pièce et que nos peintures se réunissent, enfin se rejoignent? J'en ai aucune idée. Donc on verra ça demain. Là aujourd'hui, du coup, on va partir faire des courses. Enfin, je vais débarrasser la table du petit-déj. Je vais partir me préparer, les enfants aussi. Nous allons aller faire des courses. Alors ça va être vite fait hein, parce que j'ai vraiment pas besoin de grand-chose. Et puis ensuite, on va terminer le rangement des chambres des enfants. Alors. On avait préparé des cartons. Je leur avais dit, vous pouvez les laisser ouverts. Comme ça, vous pouvez vous resservir de vos affaires jusqu'à ce qu'on déménage. Ah ben pour s'être servis, ils se sont resservis. Hein. Les chambres, c'est à nouveau Bagdad. Donc là, on va monter, on va ranger. Et du coup, on va tout mettre en carton. Je vais fermer les cartons. Et ça restera comme ça jusqu'à samedi. Les cartons, je vais même les descendre dans le garage parce que, tout simplement, là, c'est plus possible, quoi. Il faut vraiment que je pacte tout ce que je peux pacter parce qu'on part dans moins d'une semaine. On part dans 4 jours, si je ne me trompe pas. Et il n'y a rien de prêt, il faut dire ce qui est. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire avant de partir. Donc, il faut vraiment que je m'en occupe. On a remis la porte de la cuisine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui n'ont pas forcément vu ma maison, qui est une catastrophe, hein, je le précise. Mais la porte de la cuisine, on l'avait retirée et j'ai demandé à mon papa de la remettre. Donc, en général, elle reste ouverte, n'est-ce pas ? Là, mes parents ont mis un petit peu de bazar derrière la porte, donc forcément, la porte ne ferme pas. Mais c'est pas bien grave. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de déménager parce que cette maison pourrie, je n'en peux plus, quoi. Bon, je vais vous épargner ma tête de lionne là, avec ma coiffure de ouf. Et je vais aller me préparer les enfants. Et puis, nous allons aller faire les courses. Et puis, on vous reprendra après. On vous montrera un petit peu ce que ça donne, le rangement. Et puis, on vous reprendra cet après-midi dans la nouvelle maison pour vous montrer un petit peu ce qu'on a préparé. Voilà. Bon, je vous reprends les amis. Il est presque 13h. Je suis en train de faire des cordons bleus. Pour les enfants, moi je vais manger un reste de choucroute que ma maman a acheté et cuisiné. C'est qui a fait ça? N'importe quoi, Elsa qui me fait un gros bec dans le dos.
Du coup, ma maman avait cuisiné une choucroute hier et il en reste. Je vais la terminer pour ne pas la perdre. Et puis moi, j'adore ça, donc ça ne me dérange pas. Et donc les enfants vont manger des cordons bleus avec du riz. Et puis alors ce matin, du coup, on a été faire les courses, donc j'ai trouvé le scotch que je voulais. Ça coûte un bras, hein, clairement, 9 euros le rouleau. J'ai un peu halluciné. Et du coup, j'ai pris des gants pour les personnes qui vont venir peindre avec moi pour qu'elles puissent se protéger les mains. J'essaye d'appeler Eric depuis ce matin parce que je viens de réaliser que autant pour peindre que pour poser le scotch, il me faut un escabeau. Sauf que ben, c'est Eric qui l'a, escabeau. Donc j'essaye de l'appeler depuis tout à l'heure, mais il ne me répond pas. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il ne travaille pas aujourd'hui, donc logiquement, excusez-moi pour le noir, mais je suis dans mon garage, je range. Donc ben, je vais insister, je vais le harceler. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'il puisse venir m'aider. Donc voilà, donc je vais harceler Eric, bah, soit pour qu'il vienne m'aider cet après-midi à poser les scotch, parce que du coup, lui, il pourrait faire les scotch des plafonds pendant que moi, je poserai les bâches et je ferai le sol. Parce qu'il est plus grand que moi, donc pour lui, le plafond, c'est plus facile. Et on n'a que deux pièces à faire, donc je pense pas qu'on en ait pour une éternité, mais c'est vrai qu'à deux, ça aurait quand même été plus facile. Sauf que bah, là, je vois bien que il ne me répond pas. Donc, alors non, on va pas fouiller dans la boîte à pharmacie, Marceau. Bah oui, il y a deux crèmes, c'est les deux mêmes, je sais bien, mais j'ai deux tubes, c'est comme ça. Donc là, on attend Eric, je récupère l'escabeau et puis ensuite on va partir, je pense, chez Chaussea, voir si on trouve des bottes, ah bah le voilà. Et si on trouve pas, on ira voir chez Decathlon. Bon, nous sommes dans la nouvelle maison. Là, je suis actuellement dans la cuisine qui est vide. J'ai passé un petit coup d'aspi dans les coins et je m'apprête à poser le scotch du coup. On est content parce qu'en fait, j'allais expliquer, dans ma maison actuelle, nous n'avons pas la télé. J'ai résilié Internet et en fait, même avec un décodeur télé, la prise d'antenne ne fonctionne pas. Donc nous n'avons plus de télé depuis à peu près une semaine. Et je voulais être sûre que ça venait pas ni de la télé ni du décodeur. Donc j'ai emmené ma télé là pour la tester en fait sur la prise d'antenne ici. Et nous avons la télé. Donc je pense que je vais la laisser là du coup, puisque ça sert à rien que je la ramène là-bas pour la re-ramener ici, étant donné qu'on n'a pas de... On n'a pas de prise d'antenne là-bas. Donc là, je vais m'atteler à poser une bâche par terre, en fait, et des scotch tout autour, autour de la porte et au, enfin, le long du placard aussi, pour protéger et autour de la fenêtre. Même si, j'avoue, autour de la fenêtre, c'est pas franchement nécessaire. Je pense qu'il y a Marceau qui s'amuse et ça commence à m'agacer. Tu rentres ? Ouais. Ouais. Je t'ai dit que je voulais pas que tu ailles tout seul dehors. Tu es content ? Il est content de sa blague. Puis alors là, il a trouvé la sonnette, alors autant te dire qu'on n'a pas fini d'entendre. Non, non, non. Tu vas dehors aussi? Ok, alors tu peux sortir avec Adam, mais par contre, vous restez dans le terrain. Arrête de me demander pourquoi tu fais ce que je te dis, un point c'est tout. La rue, c'est dangereux, donc vous restez dans le jardin. C'est clair ou pas? Tu fais attention qu'il ne s'en aille pas. Ouais. Et là, il s'en va, hein. Tu l'as même pas vu, hein. T'as plus envie d'aller dehors, là, du coup. Mettez-vous tous en rang. Je suis votre entraîneur. Ça va être compliqué. On ne sort pas du jardin, on est bien d'accord. On va aller dans la cabane. Quelle cabane? La cabane, là. Il y a un trou dans les haies, et ils disent que c'est une cabane. Tu peux y aller? Oui, tu peux y aller. Tu veux aller dans la cabane? Par contre, hé, hé. On est d'accord, vous allez faire rien, mais vous n'admirez pas les arbres. Je te le dis parce que je vous connais. Je sais à quoi m'en tenir. Bon, allez, c'est parti. Pose de scotch et de bâche. Ah, comment perdre du temps? Les enfants ont laissé la porte-fenêtre ouverte et la chienne est sortie. C'était la course, sauf qu'en fait, elle était juste dans la fameuse cabane. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru que j'avais perdu la chienne de mes parents. Donc là, elle est rentrée. Elle est partie tenir compagnie à ses potes.
Voilà. C'est une chienne qui est en souffrance. Elle a des problèmes de dysplasie. Elle souffre beaucoup de son train arrière. Donc, c'est pas une chienne qui est très active en fait. Mais pour se barrer, tout à l'heure, elle était partie chez les voisins quand même. Je surveille. Mais là, on va refermer toutes les portes et toutes les fenêtres. Donc, enfin, j'ai laissé dans ma chambre, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour que ça aère parce que j'aime pas du tout l'odeur qu'il y a à l'intérieur de cette maison. C'est une catastrophe. Donc, voilà, j'ai préféré aérer un petit peu le temps qu'on va être là. En plus, il fait chaud dehors, donc c'est très bien. Eh bien, il est 19h39 exactement. C'est une catastrophe cette journée. On a été productif quand même, mais trop speed, quoi. Comme vous le voyez, j'ai une vaisselle phénoménale à faire ce soir, donc il va falloir que je m'active. Je viens seulement, et je m'en excuse, de monter le vlog du week-end. Donc là, je vois qu'il a fini de charger. Je vais pouvoir le mettre en ligne. Mais vous ne l'aurez que ce lundi soir. Je suis désolée, je l'avais prévu pour lundi matin normalement, mais pour être tout à fait honnête, comment vous dire que j'ai zappé ce matin. Je n'ai tellement pas l'habitude de poster en fait le lundi que du coup là j'y ai pas pensé en fait. Donc voilà, allez mettre la table s'il vous plaît, à oui, Elsa et Com. Est-ce que dans ta quiche, il y a des oignons? Ça fait 4 fois que je dis non. Ah, donc j'ai de la quiche ou pas? Mais tout le monde va manger de la quiche, Elsa, c'est pas... Elle est obligatoire. Ça fait partie du repas, donc oui, tout le monde va en manger. Voilà, j'ai préparé une soupe, donc c'est un peu la guerre. J'ai préparé une soupe patates douces, carottes, oignons, lait de coco. Il faut que je rajoute du miel, on met du miel dedans. Ouais, tu l'aimes bien celle-là. Je l'aime bien celle-là, moi. Ouais. Marceau qui sort du bain, il est encore tout mouillé. Ouais. Ouais, c'était bien le bain. Ouais. Alors Marceau, lui, c'est un vénard parce que quand il prend le bain, en général, il commence le bain avec Elsa ou Côme. Et il le finit avec Adam. Donc en fait, lui, il reste tout le temps dans le bain. Donc Elsa, elle passe, Côme, il passe, Adam passe et il sort en même temps qu'Adam. Maman. Voilà. Donc Marceau, il prend le bain le plus long de la famille. J'ai caressé Eden, donc moi, c'est mieux à aboyer. Bah parce que elle a dû se faire mal quelque part. Bah oui, mais c'est une vieille chienne. Donc effectivement, nous avons passé la journée avec Eden, qui nous a fait des frayeurs parce qu'elle s'est sauvée de chez moi. Donc on lui a couru après. Bon, au final, elle était pas bien loin. Elle était partie derrière les arbustes, mais. Bah quand elles seront bien sèches, parce que là elles sont pas, elles sont encore humides. Donc voilà, du coup cet après-midi on a quand même eu le temps de bâcher le séjour et la cuisine. Donc demain matin en arrivant, moi je vais quand même aller vite fait demain matin aller aspirer les grosses toiles d'araignées que j'avais vues dans le couloir là-haut sur le palier, parce que voilà, parce que j'ai envie de le faire. Et puis après. La deuxième fois, Eden a été dans une cabane. Oui, c'est ce que je viens de dire. Vous avez mis la table? Voilà, je suis en train de vlogger, donc en fait, ils en ont rien. Oui, bien sûr. Ce que tu as dans la main, ça revient sur mon bureau. C'est pas la tienne, c'est celle d'Elsa. Absolument pas, non. Merci. Comme le voleur. Comme il utilise les affaires de tous. C'est usant. Bref, du coup, j'ai eu mes parents au téléphone, tout va bien pour eux. Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc voilà, bon bah sur ce, on clôture maintenant ou on attend un peu? On attend un peu. On attend un peu. Bon bah on clôturera tout à l'heure. Coucou les amis, bon, on est mardi, hein. Il est 13h42, j'ai un boxon derrière moi qui est inimaginable, je suis en train de faire la vaisselle parce que clairement c'est le plus gros du boulot, après le reste ça va être un petit peu de rangement, mais une fois que la vaisselle sera faite, ça sera clairement désencombré déjà,
Je n'ai pas clôturé hier soir, je n'ai pas fait d'ouverture ce matin parce que, en fait, hier soir, je me suis dit que ce serait mieux que je fasse un vlog sur 2 jours. Parce que je pense que je ne vous apprends rien cette semaine. C'est vraiment dans le grand speed pour moi. Parce que je fais les cartons ici, je gère les enfants, je fais le ménage, je fais la peinture de la nouvelle maison. Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup de travail. Et ce matin, du coup, on est allé à la nouvelle maison. On a commencé la peinture, donc la cuisine, je vous montrerai, je vais y aller tout à l'heure. Je refilmerai une fois là-bas. On a fait toute la première couche de la cuisine. Donc déjà là, quand je vais arriver, la cuisine sera blanche. Ça va être déjà une bonne chose. Mais par contre, il reste encore tout le séjour à faire. Et c'est une... Enfin, c'est pas une grande pièce, mais du coup, il y a quand même de la superficie à peindre. Donc il y a beaucoup de boulot. Vous voyez, je suis même pas... Je suis à peine maquillée, je suis pas coiffée. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà, là je suis en train de vous entendre des crépitements, c'est parce qu'en fait je fais des cuisses de poulet puisque je n'ai plus de congèle et ma mère avait acheté des cuisses de poulet et en fait elles arrivent un petit peu à date, enfin elles sont proches de la date de péremption, donc on a décidé de les faire cuire pour pouvoir les garder un petit peu plus longtemps. Je pense qu'on va les manger ce soir, mais au cas où, à titre conscience, je les fais. Donc là, je les ai cuites et puis une fois que ça sera froid, je les mettrai dans le frigo et comme ça, on pourra les conserver un petit peu plus longtemps. Je ne sais pas si vous connaissiez cette astuce, mais voilà. Si vous voulez garder de la viande un peu plus longtemps, vous la cuisez, vous la remettez au frais, tout simplement. Donc je vais reprendre. Là, j'attends, mes parents vont arriver. Donc du coup, cet après-midi, je pense que je vais retourner là-bas avec mon papa. J'imagine qu'il va venir avec moi puisque j'ai de la peinture jusque dans les cheveux, quoi. Drôle. Il a des choses à faire aussi là-bas dans ma maison, donc lui je pense qu'il va s'atteler à faire ce qu'il a à faire et puis moi je vais continuer la peinture et essayer de terminer la cuisine. Alors du coup il faut que je voie parce que la deuxième couche en fait je la fais pas partout étant donné que j'ai un mur que je peins en bleu canard. C'est le mur que je ferai en dernier, je pense. Donc là, je vais peindre. Je vais faire le plus gros. Bon, il y en a un, il y a très peu besoin parce qu'en fait, l'ami qui l'a faite, elle est passée, repassée, repassée. Du coup, il n'y a pas de traces. Franchement, c'est bien couvert. Mais la peinture, elle n'est pas hyper couvrante. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Bon voilà, je vous montre un petit peu. Je suis toute seule à la maison. Hein. Eric visiblement ne viendra pas m'aider cet après-midi. Les filles sont parties hein, puisque l'activité était prévue que le matin. Alors le mur que vous voyez ici, là, il va être peint en bleu canard. Enfin, un bleu, c'est marqué Acapulco, mais c'est un bleu qui tire vers le bleu canard, bleu pétrole. Peut-être plus bleu pétrole d'ailleurs. Voilà, donc pour l'instant, il y a encore beaucoup de traces. Mais là, voilà, je viens d'arriver et je vais passer la deuxième couche. Voilà, ouais, il y a pas mal de traces quand même. Je le vois là dans l'objectif. Donc, c'est parti. On attaque. Bon, les amis, je vous reprends. On est donc mardi soir. Il est 22h30. Et je m'apprêtais à vouloir monter ce vlog. Sauf que je viens de m'apercevoir... que en fait je vais vous expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. J'en ai déjà parlé, mais il y a tellement de nouveaux abonnés qu'il vaut mieux que je resitue. En fait, je monte mes vlogs avec un ordinateur pourri. Comment vous dire? En fait, je me suis acheté moi un ordinateur l'été dernier, mais je n'ai trouvé aucun logiciel de montage qui me convenait. Du coup, Eric, qui avait un Mac, qui avait un MacBook Air, avait du coup iMovie. Et clairement, iMovie, c'est le top pour faire les montages vidéo. Franchement, c'est trop parfait, quoi. Et j'ai échangé mon ordinateur avec celui d'Eric. Sauf que j'ai effectivement donc un MacBook Air, mais un MacBook Air pourri. C'est-à-dire qu'il ne tient plus la charge, donc il ne fonctionne. En fait, il est tombé hein, des fois et des fois et des fois. Et nous avons appris dernièrement, parce que nous avons souhaité le faire, j'ai souhaité le faire réparer, qu'il avait été noyé par un verre d'eau
et que donc il est totalement oxydé à l'intérieur, à tel point que le technicien m'a dit « je ne comprends même pas comment il peut encore fonctionner ». Voilà. Donc, nous avons convenu avec Eric que je garde le Mac tant qu'il fonctionne, et si jamais il venait à rendre l'âme avant que moi je puisse en acheter un autre, puisque je prévois quand même de m'en acheter un autre, mais pour ça il faut pas mal de budget, et pour l'instant je n'en ai pas, peut-être qu'un jour YouTube me permettra d'acheter un nouvel ordinateur. Du coup, pour l'instant, j'utilise celui-là. Sauf que, non seulement il ne fonctionne pas sur secteur, mais en plus, il n'a plus d'écran. C'est-à-dire que l'écran est mort. Du coup, je l'ai branché sur un écran externe. Sauf que, alors peut-être que là, certains vont pouvoir m'aider, parce que si vous utilisez des Mac et que vous connaissez ça, vous pourrez peut-être me dire. Mais en fait, le fait de le brancher sur un écran externe, ben, je ne peux plus éteindre l'ordinateur. Enfin, en fait, les paramètres que je configure pour le faire fonctionner sur l'écran externe, le Mac ne les enregistre pas. Et donc, du coup, à chaque fois que je le rallume, même s'il est branché sur l'écran, il n'a pas enregistré, en fait, les manipulations que j'ai fait la fois d'avant. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, c'est vraiment pénible. Donc, je suis désolée, mais ce vlog, du coup, sera en publication retardée. Mais bon, de toute façon, cette semaine, c'est un peu la cata. Donc, je fais des vlogs sur deux jours parce que, clairement, je m'en sors pas. Hein. C'est pas que j'ai pas le temps de filmer, c'est que je ne pense pas à filmer. En fait, je suis tellement active que je ne pense pas à prendre la caméra. Donc, cet après-midi, je vous ai mis quand même quelques images de la maison. J'essaierai d'en remettre demain puisque je vais y aller avec mon papa. Donc, je vais filmer un petit peu. Et puis, je vous montrerai un petit peu l'avancée. Alors, la cuisine est terminée. On a fait la première et la deuxième couche. On a commencé le séjour, mais on n'a pas fini la première couche. Donc, demain, je vais y retourner faire finir la première couche du séjour et poser la peinture bleue dans la cuisine, en sachant que je vais devoir mettre des scotchs, etc. parce que il faut que je protège les murs. Que j'ai déjà peint en blanc. Donc, y a du boulot. Et puis, pendant ce temps-là, mon papa va m'installer mes étagères dans mon dressing. Qu'est-ce qu'il a encore à faire là-bas? Je ne sais même plus. Ah si, oui. Il doit me découper mes plans de travail, mais en fait, ça, on va pas le faire demain parce que on a réfléchi et on s'est dit, bah non, on va attendre que les meubles de cuisine soient arrivés pour le faire. Donc, du coup, il me le fera samedi soir, en fait. Donc, moi, ça me va bien. Donc voilà, c'était le programme de la journée. Demain matin, du coup, Elsa à musique. Donc je l'emmène à la musique. Pendant qu'elle sera à la musique, j'irai acheter mon pare-baignoire. Ensuite, je la récupère à la musique. Je rentre manger. Et après manger, je repars avec mon papa dans la nouvelle maison pour continuer la peinture. Que mon papa fasse les petites améliorations qu'il a à faire. Et puis, il a des petites choses à me faire ici aussi, en fait. Je voudrais qu'il me retire des chevilles que j'ai posées. D'ailleurs, là, je crois qu'il avait mis des chevilles aussi. Il faut que je vérifie. Mais il faut que je commence à améliorer ici aussi. D'ailleurs, je n'ai pas été voir pour le papier peint. Je ne sais pas quoi mettre comme papier peint pour couvrir les dessins que Marceau Picasso a fait là-haut. Il a dessiné sur les papiers peints, évidemment. Il faut que je vois ça. J'ai des trous à reboucher. J'ai pas mal de choses à faire. C'est pénible. C'est pénible. C'est beaucoup de boulot pour une personne toute seule. Puis, je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas compter sur Eric. Quoi. Donc, il a toujours des choses plus importantes à faire. Donc, je me débrouille toute seule. Enfin, toute seule. Je ne suis pas vraiment toute seule, parce que du coup, j'ai mon papa qui m'aide, j'ai les amis de l'église qui me soutiennent aussi. Donc, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant de sa part à lui de voir que, en fait, il s'en fout. Bref. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. La journée de demain, je vais vloguer demain. Donc ce sera un nouveau vlog du coup. Celui-là ne sera en ligne que mercredi soir, mais je fais un vlog spécial pour la journée de mercredi et de jeudi. Et j'en ferai un autre pour vendredi et samedi.
Mais compte tenu du manque de temps que j'ai cette semaine, je ne peux pas faire autrement que faire des vlogs sur 2 jours. Parce que je ne peux pas me permettre de faire du montage tous les jours. Et puis, bah, comme je vous disais, en fait, je suis tellement occupée que je ne pense pas à prendre la caméra. Et du coup, bah, je manque de contenu, quoi. C'est clair. Donc voilà. Et bien, sur ce... je vais encore une fois vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.